Les travailleurs communaux qui assurent l'entretien des espaces verts sont exposés quotidiennement aux différents risques liés aux véhicules et à l'utilisation de machines dans les parcs et le long des voies publiques. De tels risques ne sont pas négligeables. La prévention des risques liés au travail dans les espaces verts signifie d'agir à différents niveaux. De la préparation du travail au nettoyage du matériel, il faut apporter une attention particulière à l'inspection des véhicules et de leur équipement de signalisation, l'examen de l'état des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, le chargement et l'arrimage correct de tous les équipements et matériels sur la remorque, et les compétences et aptitudes des travailleurs lors de l'utilisation des machines. Ce film, réalisé en coopération avec le service Travaux de la ville de Peine, montre que la manipulation correcte, le respect des instructions et des règles de sécurité, ainsi que des comportements responsables, contribuent à réduire les risques et à travailler en toute sécurité.
Travailler le long de la voie publique crée un risque supplémentaire. Étant donné qu'un chantier modifie temporairement une situation de circulation existante, il est important d'attirer l'attention des usagers de la route. Des panneaux de signalisation suffisants, correctement positionnés et bien visibles réduisent le risque d'accident et protègent les travailleurs pendant leur travail. La visibilité des travailleurs doit toujours être maximale, quelle que soit la météo. Par conséquent, le port des vêtements de signalisation est obligatoire. Ils signalent clairement la présence du travailleur et assurent ainsi sa sécurité.